Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Les apprentis mécaniciens ont bénéficié ce matin de la formation duale. Il est dangereux de brûler et d'enterrer les ordures. L'école Fatima fête ses 20 années d'existence. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Merci de nous rejoindre. Le développement des titres. Des apprentis mécaniciens ont bénéficié de la formation duale ce mercredi dans le centre régional artisanal CRA de Thiviers. L'objectif est de permettre à ces participants d'être à la hauteur pour mieux répondre aux nouveaux modèles de l'automobile. Assogbavi Elekwe, formateur en mécanique auto au centre régional artisanal Thiviers. Si on parle de formation duale, c'est une formation par alternance, c'est-à-dire une formation qui se fait aux deux niveaux. Le premier niveau, l'apprenant est chez son patron. Il fait tout ce que le patron lui dit comme un apprenti. Le deuxième niveau, il vient suivre les cours technologiques à notre niveau au centre. C'est pourquoi on l'appelle alternance. Donc, il fait son patron et en même temps chez nous au centre. À la fin de la formation duale, les apprenants doivent être capables d'intervenir sur les véhicules et d'installer leur propre entreprise, ou bien d'être aussi capables pour le marché. Ils peuvent être aussi engagés par une autre entreprise. Grâce à cette formation, les apprentis mécaniciens vont être compétitifs sur le marché de l'emploi. L'avantage de l'apprenant dans ce système, c'est qu'il est formé sur la nouvelle technologie de l'automobile. De deux, il va obtenir un diplôme officiel que nous appelons le CQP, Certificat de qualification professionnelle. C'est un diplôme qui est reconnu sur tous les pays francophones de la sous-région. Ce qui veut dire que s'il a ce diplôme-là au Togo, il va au Bénin, il peut s'installer. Il va au Burkina, Côte d'Ivoire, ils peuvent s'installer. C'est un diplôme qui est reconnu dans tous ces pays. Et cela lui permettra également de travailler où le besoin se présentera. Donc il n'a pas de problème pour l'obtention de ce diplôme. Quels sont les critères de sélection des participants à cette formation? Pour les conditions de sélection, on s'est basé sur plusieurs critères. Premièrement, l'apprenant qui doit suivre notre cours ici doit être un apprenti d'un patron, c'est-à-dire doit venir d'un garage proprement reconnu. Bon, de deux aussi, il doit au moins avoir le niveau sixième pour pouvoir écrire et lire, parler un peu le français. Puisque chez nous, nous copions la leçon, l'enfant doit être capable de les copier et d'aller lire à la maison. De trois aussi, il a l'âge. Officiellement, nous prenons de 18 à 35 ans. Ça, c'est la limite. Si l'enfant dépasse 35 ans, on ne le reçoit plus. Et s'il a moins de 18 ans également, on ne le reçoit plus aussi. Nous parlons également de la langue. C'est-à-dire, l'enfant doit au moins avoir la capacité de s'exprimer dans la langue officielle, le français. Si, par hasard, un enfant vient et il n'arrive pas à parler le français, pour cette année, on les a retenus pour l'alphabétisation qui va prendre effet à partir de la rentrée prochaine. Donc, s'il a des enfants qui ont le désir de venir et ils n'ont pas le niveau d'études pour pouvoir parler le français, ils n'ont qu'à venir l'année prochaine pour suivre le cours de la l'alphabétisation avant d'être recrutés par la formation. Monsieur Assogbavi Ekeleou lance un appel aux autres apprentis mécaniciens qui n'ont pas bénéficié de cette formation. Si l'apprenant n'est pas recruté cette année, l'année prochaine, la formation continue. Cela veut dire que nous continuons. C'est une formation qui n'est pas limitée. C'est une formation toujours qui va comme les autres écoles. L'année prochaine, nous avons la première année. Ils peuvent venir. On va les recruter selon les critères. Maintenant, pour les apprentis qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas répondu aux critères, surtout pour le français, nous avons l'alphabétisation qui va commencer l'année prochaine, la rentrée prochaine. Ils n'ont qu'à venir s'inscrire et après un an de cette formation, ils seront capables maintenant de répondre à nos conditions et revenir suivre la formation duale.
Asogbavi Ekeleou, formateur en mécanique auto au Centre Régional Artisanal CRA Thiévier. Ayawo Ernest a suivi la formation de ce matin. Il nous livre ses impressions. J'ai choisi la formation pour mieux me former sur la mécanique et surtout sur les véhicules qui viennent nouvellement. La formation, je pouvais dire qu'elle est assez bien pour tout apprenant mécanicien. On nous apprend à peu près la théorie et la pratique. Après le cours, on passe à la pratique. Il y a des exercices aussi. Déjà avec la formation et ce que mon patron de l'atelier me donne, je vois que je suis en train de me former dans les deux côtés. Et je vois que pour le moment je suis passable, moi je sais que ça ira. Moi je ferai cet appel à tout le monde, tous les patrons mécaniciens et tous mes frères qui ne sont pas encore intégrés. Que tous les patrons mécaniciens n'ont qu'à essayer de venir inscrire leurs enfants à Thiévier ici, dans notre centre de formation. La voix du Zion. La question du journal, pourquoi n'est-il pas conseillé de brûler les ordures? Pofon Alès, environnementaliste à Thiévier. Dans ces ordures que les gens brûlent, il y a celles qui ne sont pas périssables. Je prends l'exemple des sachets en plastique. C'est des ordures qui constituent des dangers, d'abord pour notre santé. Ça dépend de la matière qui a participé à sa fabrication. Et lorsque vous les brûlez, ça dégage des fumées qui ont des effets cancérigènes sur la santé de l'homme. Et même si ces fumées s'échappent et vont en l'air, comme on le dit, les nuages se forment à partir de ces particules qui sont en l'air. Donc, ça va de soi que ces fumées nous reviennent à partir de la pluie. Donc, l'eau de pluie que nous utilisons dans les ménages, que nous consommons. Et à la longue, les populations vont avoir beaucoup de problèmes de santé et surtout des ennuis de cancer. Donc, c'est pourquoi il n'est pas bon de les brûler. Il faut plutôt les collecter et les recycler. Il y a des usines de fabrication de tuyaux ou d'autres matériels en plastique qui peuvent recycler ces papiers plastiques ou ces sachets plastiques afin de permettre que l'atmosphère ne soit pas polluée à partir des fumées que cela dégage. Selon M. Cofon, les ordures ne doivent non plus pas être enterrées. De la même manière, lorsque on enterre ces déchets-là, l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol. Et lorsque l'eau ne peut plus s'infiltrer, l'eau stagne à la surface et cela peut entraîner des phénomènes de ruissellement assez importants. Ça peut rentrer dans la maison et puis causer des dégâts qu'on peut toutefois toucher de doigt ou observer. Donc il n'est pas bon de les enterrer. Il y a d'autres déchets qui sont toxiques. Lorsqu'on les enterre, le sol est pollué. Lorsque le sol est pollué, tout ce que l'on peut semer sur ces sols-là, elle va porter dans les gènes, dans les chromosomes, cette pollution que nous allons consommer après. Donc cela va de soi que l'on interdise aux uns aux autres de ne pas enterrer ces déchets dans le sol. Certains aliments que nous consommons sont toxiques pour notre organisme à cause des conditions de leur préparation. Et vous allez même vous en rendre compte qu'on défend aux gens de manger ce qu'on appelle akpama, par exemple. Pour faire akpama, c'est à partir des pneus que les gens brûlent et pour préparer la peau du bœuf ou de l'animal qui a été tué. Donc, lorsque vous mangez akpama, ça veut dire que vous préparez votre organisme à être attaqué par une maladie qu'on appelle le cancer. Bofon Alès, environnementaliste à Thiévier. La voix du Zion. 1996-2016, cela fait 20 ans que l'école privée Sainte-Fatima s'est mise au service de la formation des élèves. Pour marquer cet événement, la direction de l'école a établi tout un programme de divertissement. Soussou Kofi, directeur de l'école Sainte-Fatima. Le lundi, nous avons eu la conférence avec les élèves. Et la conférence avait pour thème la semaine culturelle et quelles activités pour meubler la semaine culturelle. Nous avons choisi ce thème parce que on a tous constaté que la semaine culturelle est devenue autre chose dans les établissements. Et comme nous sommes un établissement de référence, nous voulons d'ores et déjà préparer nos enfants à comprendre que si telle et telle activité sont bannies désormais du programme de la semaine culturelle les années à venir, c'est pour cause. Et c'est pourquoi nous avons eu à tenir cette conférence-là, qui a connu un plein succès. Le mardi, c'est-à-dire le 7, nous avons eu la soirée de contes, qui a été également un succès. Aujourd'hui, nous avons eu le jeu Les Concurrents. Jeudi,
normalement, c'est la soirée traditionnelle. Faute de la présence des élèves les plus grands, nous avons reporté cette soirée traditionnelle, car il s'agira surtout de jouer au tam-tam, de chanter et danser. Ce sont les élèves des basses classes qui ont participé aux activités que nous avons eu à mener jusque-là. Et comme ils ne sont pas capables de le faire, nous l'avons reporté. Et ce n'est pas tout. Le vendredi prochain, un déjeuner va rassembler le corps enseignant. Ceux qui ont accompagné l'école depuis sa création en 1996 vont recevoir des certificats de mérite. L'année prochaine, l'école Fatima envisage donner des bourses aux élèves méritants. Les bourses d'études sont réparties comme suit. Il y aura des quarts de bourse et des demi-bourses. Les quarts de bourse correspondent au quart de l'écolage à payer à la rentrée. Si l'écolage est de 20 000 par exemple, l'élève qui a un quart de bourse ne paiera que 5 000. Et si c'est 20 000, celui qui a une demi-bourse ne paiera que 10 000. C'est pour aider les parents qui apprécient le travail que nous faisons et qui s'investissent beaucoup, malgré leurs difficultés, à payer les frais scolaires. C'est pour les aider à accompagner ces élèves-là qui travaillent bien. Donc c'est pour ça que nous allons à la rentrée donner des prix qui seront constitués de cahiers et de livres et aussi les bourses telles que je les ai citées tout à l'heure. Les 20 années d'existence de l'école Fatima vont apporter beaucoup de changements pour le futur. Les changements ont d'abord commencé dès la mi-mai par la construction de nouvelles classes. Nous pensons beaucoup aux élèves parce que nous sommes dans un pays où il fait chaud et on a beaucoup de mois où il fait chaud. Et nous sentons que beaucoup d'élèves ne sont pas à l'aise en classe à partir de 10 heures déjà. C'est pourquoi il faut construire des classes adaptées pour contenir ces élèves. Même les enseignants en souffrent. Donc nous pensons mettre à l'aise une grande partie des élèves de l'établissement. Et c'est pourquoi nous sommes en chantier. Et si vous faites un tour dans l'établissement, vous verrez que de nouvelles classes sont en train d'être construites. Au niveau de la discipline, nous allons beaucoup sévir. Parce qu'on ne fait rien sans discipline. Si Fatima a de bons résultats que les gens apprécient, c'est grâce à la discipline et des élèves et des enseignants. Donc nous allons renforcer la discipline. Et nous aurons un œil regardant sur la tenue des élèves, parce qu'il n'est pas bon que quelqu'un qui reçoit une éducation vienne à l'école en tenue débraillée. Ça, c'est une insulte pour l'institution. Déjà au portail, celui qui n'est pas bien habillé, bien coiffé, il est retourné à la maison. Et ce sera très rigoureux. L'école Fatima compte travailler avec les parents pour la bonne réussite des élèves. Le recrutement, même à la rentrée, sera difficile si on n'est pas un bon élève. Beaucoup de parents pensent que leurs enfants qui ne réussissent pas ailleurs, qui n'apprennent pas, qui sont devenus des bandits, c'est à Fatima qu'il faut les amener pour les redresser. Nous ne serons plus un camp de redressement. Nous allons prendre les meilleurs, ceux qui veulent recevoir l'éducation. Et pour cela, nous voulons bannir le bâton comme on nous le demande. Parce que le bâton n'enseigne pas. Quelqu'un l'a chanté. Celui qui veut écouter, il suffit qu'on lui parle, il met en pratique ce qu'on lui dit et c'est terminé. Plus de bâtons, mais plus d'élèves qui veulent aller à l'école. Ce sera la réglementation à la rentrée. Nous remercions M. Sossou Kofi, directeur de l'école Sainte-Fatima. La voix du Zio. Cette information en bref pour clôturer ce journal. Stéphane Okechukwu Keshi, l'ancien entraîneur des Éperviers du Togo, est mort ce 8 juin 2016 à Benin City, au Nigeria. Stéphane Keshi était défenseur central. Il était surnommé Big Boss. Il a joué avec les Super Aigles durant la Coupe du Monde 1994 et a remporté la Coupe d'Afrique des Nations CAN la même année. Devenu entraîneur, il entre dans le staff des Super Aigles, mais
pas en tant qu'entraîneur principal. C'est à la tête de l'équipe du Togo qu'il fait ses preuves en qualifiant à la surprise générale ce pays pour la phase finale de la Coupe du Monde 2016. Paix à son âme. Nous sommes à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Séraphine Yovo, réalisation Mustapha Yoloul, le rappel des titres. Des apprentis mécaniciens ont bénéficié ce matin de la formation duale. Il est dangereux de brûler et d'enterrer les ordures. L'école Fatima fête ses 20 années d'existence. Et nous vous quittons avec ce proverbe anglais. Prends le temps quand il vient, car le temps s'en ira. Bonsoir chez vous. Aide assi ne du comme nya jojo sese yolu mutala yele modando fe no vinyo jijogbe ba ple a photo me di vlo Sylvain we acho anami. Jojo ile orison nyagbe pade pe nya jojo eyi mamiel kemia se nya takakao. Nous fiapons nos recus Fatima, le yefe febla velia drum, le tchévier. Alaka mia wo mia fe gberido un doué. Esia wenye nya takakao. Zio fegbe. Jojo man, nous si ofo chlami fe belele le vevie na mia fe lamasin ple de die manono. Gake edie dia miafe wonawo le jojomonu si ofo hlami dia mi aboyo eye ogble anu le miawu le manya manyam vedieto le gberudo nyaume de onyobe mia awo mia nojotom miafe egberudo wa apeto pofon Alex jojomonu si ofo hlami ndo la le tivie de numa egbedido minyo wa tozo. Et d'où le bien, ni roba, bête, ou misana la simu. Vito ibo iboma, et nous te joa. A dit joke, d'où la mer, et d'où la te don, et d'où ma team, ami. Eva nana dolerie, que y'en avait cancer. Tout vounema, ne a dit joa yame, a dit joma ontie, a lilipo, ouve, wonado, vanana chijaja. Quel est ya ova ja? A dit joma ulum, et ben nous la ten blum la mbeton, t'y la ten na dolerie, que y'en avait cancer à mbetoa. Ulum, watimo et misana. E djiji le nyabe bonono keke o me minune ndo ha abono sho dananu ye amareke mu gboro ngoti mu hwa e ya troba na miyanto tonono mu ma echijaja bonono me me ke mu nyobe miyanto ejo ke esi mu nyobe miyanto ejo gbedi do o de de onyobe miadiwa apeto pofon ne midi gbedi do le tomo e roba mo o le me e wona be ne chija chi me gbatim mie na ina tomo ke la chi ayin gba be nkomo achira adua mo wa pe me la wonu ke batim wa wo ike mi mi doje si e mu na ho na mu to fa e we be o de se o nga di gbedi do mo do e tomo e do le me o gbe na ayin gba be nono me alo o na na do le pi do ayin gba o ayin gba mo ji mi gba be do na mi abun du do ro ke de du do la wa e do le ne mo no na du gba o me ke to mi ga ba du na ke ni mi le dum nenema le foyo la baba me e ha gba na na dolele ke susu mo ta e o de na se bonga tojo egbedi do e o nga dire to mo so asi to tro ple afode de kamia cho na mi afode de je nonno le egbedi do nya o mo a cho ile do po yo ke wona roba be do e ko wona tiyo e ko wona roba gba ko to o wa to la gba tenze a cho onu bu enyo be mi a tojo ne wa ba na mi an to dolele ple ku e cho Esi enyi apeto pofon Alex Jojo menu si ofo khlami ndola le tchevye pe enouma dede o. Nufiama nodo kwisi. Nufiapa nodo kwisi Fatima le tchevye a. Lankudom epe epe blavan keke nye e di le suku po a di. Wana si asije e goma enyi cho jodak bevaya e lodo dople wana vufufu denu. Apeto so suko fi. Fatima suku apeta toa ede numa kude dodo ple wana fufufu ungbroba. Mi toazanji suka kajuragbe.
voisin maro akpa meve mi kwasira ya mia mi lewo akpa gbanto nemi va trova septembre mi lawo akpa vegon toke va ya wetro mia mi popu de vio yemi ponu pono so enu ke mi yona be semaine culturelle et kwasira ke ochan be sukulu kikenwa bo dekonu be nono me ogboa mi wo nene be conférence ne de vio et so branda gbe ke va ya mi togli le skulwa e gbe a mi publi de ja nanyi le pa mi et ke mi yona be le concurrent et classe a mené de oja dogo wa nono demi finale et finale wa me ke ila du je la hoprito he fira gbe a mi la petite o kekem ye mi la do plon adasi agban mi a po jijo e ke a poto esusu e denu me kure bubu jesisi chom olena enu fiala enesi o wodo pe blave son le fatima sukwa ma e blobe chicha amene do ko tem no skula kaka pe ame wi pro skula o pro de vio o hen o ye sukula benko le di la fisi afia nene bi cha on ami ja ta pe no te tohede mi a de fio be e doko wa doa e jeji na mi e ni mi la no certificat de mérite a no cadeau vire neno joa ba no don ku vive e wo do le pare me kaka pe ame wi e pa e do jesi do doke wa yo na e kafu kafu wan lo ke a pato so su e gadenu me kude nke ke nyi si a pe akpa e felia si ava e megbe a e do ngi blobe akpa vegon ne mi va to sukulu dia de vi ko wo do nyu de pe ame ne resulta ke kento kompo be resulta o CEPD BPC bac 1 bac 2 de vi ko wo do nyu de yo ko jiru doa mi la na o pri ke si enye a pato so su ko fi Fatima Sukua tatao pe numa dede kuda Fatima nufia pe nado kisia pe azan alo pe blave pe nkekenye si dum wole. Kena asito trol soja pe nyonyong le denik bandia. Tudon nof pe asichanya u bokpo fe ade tutudo ade tum. Na fugo soja nukuble de lao. Tuturo siya si je gome e chova yi, e ye owunu e gbe afe taro jinu enye. Pekpede soja agblede lao, ple e undo o laon, ple agblede da undodo ye yeo, si awebe nonome, ple jijime nyui, si je nano ofe soja nuku anu, hena asi nyui kpokpo le afe ple jutasyan. Afe to winga tonta la, tuturo na lao dometo de ka denume. Soja enyi aglenuku ke edemora sofia be fifia olokwi sole yovode eye ebe nyonyoa mezo de enuke o piole yovode mia be ministera ministère du commerce abiobe miava anatutu na agledelao leke wa lebena aglea wa lebena soja gble leke lo ola de soja la gbleme leke ola pwe loko la ajiredo afi soja babanyo na nusasa le apeto winga pe nou mede de nou la agble de la si o mokpo gome le tuturo si amowa asron nou le gome po la ogbo agble de la o ko mokpo gome le egbe be tutume anyi be amoko va wa o de o le edu shadume onyi amo be ngono la o ne ogbo so ogbo va wa be jume a o la wo formation afion amoleke o la le bena soja le soja banyo ne ogbo va yo yo nu ava wajo gbane wa ile wa doto ni wa pla nuke o ya fion ni mi be to go be soja ni ba yungo ba yugo de lo apoto winga tontala tuturo na la do moto de ka po nu mo de ke apeno aya o vi kai soja gble de la ple un do la si ha po gome le tuturo ame de nu mo kure soja vovo ple un do wa wa un soja nku gale ne nku vitu kile ne soja do le a nebe mi pa soja nene ne soja wa le do la ajira soja gboro agam kekem ajira gboro ne geme ne java ifua ma punyuro la hu ipatia asosia e le sie daripua ne va do gare mu ya la ko ele baseji aso atia no pon popopopo ne va ipo sesere e fe na kankan
en ti la so ati ano fun popopo me mi were ne voa mi ba gbo ne mi do ne sako ne barade le me mi chane da le mo yen to mo to se jijena mo so na soja so sana ne ma tu a we to kusua mo do ne si garika gav gaton gane gaton e vo mo se tuna e izoji ka ko be po garden gadre po mo si ona keke trune se zina danade ne nke fofo mo ya mo ba jina wi ajami mo va so ne keke mo to ne keke sana après no ka i garden nu mo ku de soja ape evidem eh soja be do wa va o leke mo le do sa nyen gbale ne nu enye to va tro ne mo pe vo enye to va tro va o ne a eh enye to va le wa bie vo le ji chi ne enye to cha ncha mo sele nu buta soja be do a do nyere eye ji o garden nu mo ku de tutu do an eye o wo yoyo na amawo de soja gble de de tuturu emi va po le fiya leke o fion mi duya be soja mi ne le bene soja mo ngba dogbo mi ne jira mo du kekem mi ne le bene a ibe sizian e gba nyun na sewu be leke a pa soja ba no gberi do mo la viola du kan gbe la vawe vitamine de kan gba ba no na mu e jo china gbagbalo ne mi le bene a vitamine e la no mo ne mi ya sa o mi be do lu adamwe ma do na mi ato nyonu fufu nyun so a o ne le bene soja be do anu nyere on est le bene ne die vena souma ta soja ba do ma nyinu tafu amuro soja ba do ndudu le ma sei ma le pa soja katia ma ve enyi be alo amere pa ebli katia ma ton la dunu le per cadeau me si preuve do mena soja katia ma ve que le pa la dunu le ma aso u ebli to alo afeno aya u vi kai chuchudo goma pola le chuchudo si va ma kure soja gbe de de un vidiji ple eji popo enye jila ope do de si o do moto de ka fe vie to le su couple do sosro nya o mo si a web de vie ope chomana klenye eye wa un to ha wa po vide ple gome nye gadele em nuke a enye jila ope do de si le de vie ope gege nya o mo tu me vi a do de ope nu po su su de go ti la do la po e be gawe nya o gbo su kulu ti po ti o nu dudu devia mano school vola ganon buta me be fike ma po galela da u la ore ke la tu sukulu ti o ni do ve vere ne va ve me be de sia ni gbaru ti o cha o la do dipone a wo se be ndi pin joni nu bo a nko gbe la tinyo ti la odo la no yo abi school o mi ne tita ke le fion de via ve po be de ke de vinya no na gbele school o de ke nu o le yido e ji be vine du ji kwa chore le me antenna odogo a class teacher leko ehn e odo a leko dodo marula no jila ka kle e teacher do me alebe de via ha la nya be ye jila o chore le me na ebe school de de ipo we ne le bio go so school a o parent do la po gbo a tro bi o ni ko mi pelo a pose question ni a tro do do ni ken gbe ba school a ne fonfon me tien la fon a tro le so no ken gbe ba jo esi anya dum vi ade ope enu po susu oku de dila fe vi di popo pe enya un dum vi ope enu po susu oji mi awu otro ya po ju koma nya jojo odo nemi mi de ape manya glade nemi afa etoji nono adonku nya takaka oji nemi agblabe nous fiapons notre pisi Fatima le yepe efebla efelia adum le etchevier. Alors que mia ou mia fait bedidon doué. Esi aweni enyata kakao otroane jejine mia dumeto de esiade mia fait bedona mo oyi ne yobo srejo jua katanlo. Bye bye.